Chers étudiants, chères étudiantes, je vous souhaite une bonne reprise sur les campus universitaires cette semaine. Cette reprise prend place dans un environnement qui est encore très instable, mais il est important que cette reprise puisse avoir lieu. Je pense aussi bien sûr à tous les étudiants, toutes les étudiantes qui ne peuvent pas encore nous rejoindre sur les campus. Des dispositifs, des modalités en distanciel ont été mises en place pour qu'ils puissent eux aussi rejoindre les enseignements cette semaine. Il est important que nous reprenions tous et toutes nos rôles au sein de cette communauté universitaire, que vous repreniez votre rôle d'étudiant. J'aimerais nous remémorer aujourd'hui l'origine de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. L'UNC a été créée en 1999. Elle a été créée à l'issue de l'accord de Nouméa, qui a demandé sa création pour répondre aux besoins de formation et de recherche spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est bien sûr avant tout une université qui répond aux valeurs de toutes les universités dans le monde, des valeurs telles que l'indépendance, la neutralité, l'ouverture intellectuelle. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est également une université française, et c'est donc le Code de l'éducation qui définit nos missions, qui sont celles de la formation, de l'insertion professionnelle, de la recherche, de l'innovation. Mais l'on dit souvent aussi que l'Université de la Nouvelle-Calédonie est un peu plus qu'une université comme les autres, du fait qu'elle ait été créée par l'accord de Nouméa, à un moment où la Nouvelle-Calédonie avait besoin d'outils pour sa construction. Ce rôle auquel vous contribuez, il est important de se le rappeler aujourd'hui, pour donner ou redonner du sens à nos activités. Et si vous êtes là, aujourd'hui, engagé dans un cursus universitaire, c'est avant tout pour vous, pour votre développement personnel, intellectuel, pour acquérir des connaissances, des compétences et un diplôme qui vous permettra notamment d'accéder à un emploi. Mais au-delà de cela, vous jouez également un rôle très important pour la Nouvelle-Calédonie. Peut-être aujourd'hui encore plus que jamais, la connaissance, l'éducation, le savoir sont nécessaires pour la construction et le développement de la société calédonienne et pour sa cohésion. Au travers de votre parcours, c'est donc la société calédonienne dans son ensemble que vous enrichissez. Votre rôle en tant qu'étudiant, c'est également de porter cette hauteur de point de vue, cet esprit critique, ce recul qui sont nécessaires à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. La liberté et le respect de l'autre, quel qu'il soit, sont des valeurs inhérentes à l'université. Et je souhaite que vous puissiez continuer à trouver au sein de la communauté universitaire, sur nos campus, cette espèce de sérénité qui est nécessaire à la mise en place de la réflexion. Je vous remercie pour votre engagement dans vos études et je vous souhaite une bonne reprise.